Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la Tour Eiffel. J'espère que vous allez kiffer grave, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate. Allez, c'est parti! Le premier étage, situé à 57 mètres au-dessus du sol, donc ce qui est quand même assez haut par rapport au sol, donc il ne faut pas tomber, sinon tu peux mourir même du premier étage. C'est chaud, hein. Il y avait déjà des scientifiques comme ça qui ont fait des expériences en voulant voler avec, c'était un gars qui avait fait ça, après l'ouverture de la Tour Eiffel, et du coup bah, il est mort, il voulait voler avec un truc qu'il avait fabriqué lui-même avec des sacs plastiques et tout ça. Mais sauf que ça n'a pas marché. D'une superficie de 4220 mètres carrés, et oui, il a été refait il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et puis il peut accueillir environ 2500 personnes en même temps. Voilà, ce premier étage abrite un restaurant ainsi que des boutiques, bien sûr, comme d'habitude, toujours des boutiques et encore des boutiques. Voilà, il y a tout le temps des boutiques. Et ce premier étage est vraiment essentiel à la Tour Eiffel. Et d'ailleurs, sur la rénovation qui a été faite, vous avez une vue panoramique grâce à des verres qui ont été mis en place. Voilà, c'était tout pour le premier étage, les amis. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ou n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube à vos amis et tout ça. Et n'oubliez pas, surtout très important, puisqu'en ce moment YouTube fait un petit peu de la crotte. Voilà, comme on peut dire, sentir du gros mot. Parce que en fait les vidéos que vous recevez pas forcément la notification qui vous permet d'avoir la vidéo. Donc pensez bien quand vous cliquez sur la cloche. La petite cloche là, que je vais vous mettre à l'écran, pensez bien à surtout l'activer et après faire enregistrer comme c'est marqué à l'écran. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao, bye bye, peace!